Goedemorgen, welkom op dit uh, nieuw persmoment op dinsdag 12 januari. Waarin we jullie naar goede gewoonte een update geven van de pandemie in ons land. En daarvoor geef ik het woord aan uh, Steven van Hugt. Bonjour tout le monde, goedemorgen iedereen. We zien voor de vierde dag op rij een stijging van de besmettingscijfers. Die terwijl de ziekenhuisopnames en de overlijdens gelukkig nog verder blijven dalen. De stijging van de besmettingscijfers heeft echter ook te maken met een felle stijging van het aantal testen van 25.000 naar 40.000 per dag. Als ook het massaal testen van reizigers die teruggekeerd zijn uit een rode zone. En het feit dat 1 januari vanaf nu in de referentieperiode komt te liggen. We vergelijken met andere woorden nu het gemiddelde van een gewone werkweek, de voorbije werkweek, met een week met een feestdag, 1 januari. En we weten ook dat typisch op zo'n feestdag minder mensen getest worden. Dit maakt dat de trend in de besmettingscijfers momenteel nog niet geheel duidelijk is en moeilijk te interpreteren valt. Maar deze trend zal ongetwijfeld duidelijker worden in de komende weken. De situatie blijft fragiel en een opflakkering in de komende weken is zeker mogelijk. Door het feit dat de cijfers opmerkelijk trager dalen in de tweede golf dan in de eerste golf, zal de tweede golf ook duidelijk een hogere gezondheidsimpact genereren dan de eerste. De afgelopen week werden er gemiddeld 2020 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat zijn er 27% meer dan de week voordien. Gisteren spraken we nog van een toename van 14%. De reden voor deze stijging heb ik uh, zo net aangehaald. We moeten ook wel opmerkingen, opmerken dat het aantal besmettingen van de voorbije week nog steeds lager is dan het aantal besmettingen in de weken voor de kerstvakantie. De toename zien we bij alle leeftijdsgroepen, maar is het meest uitgesproken bij de tieners en jongvolwassenen van 20 tot 40 jaar, als ook bij 90-plussers. De twintigers en dertigers tekenen het meeste aantal besmettingen op. We zien stijgingen in alle provincies, gaande van plus 2% in Luxemburg tot plus 94% in Brussel. In Brussel is dat bijna een verdubbeling op weekbasis. Deze toenames in Brussel zien we voornamelijk bij jongvolwassenen van 20 tot 40. En spelen zich voornamelijk af in gemeentes zoals Brusselstad, Elsene en Etterbeek, wat typisch gemeentes zijn waar een heel internationale bevolking woont, veel expats en waar ook veel mensen zijn teruggekeerd vanuit reis. Wat voor een stuk de toename of de plotse toename in het aantal besmettingen verklaart. Ook in Waals en Vlaams-Brabant, dus het gebied rond Brussel zien we belangrijke toenames met respectievelijk plus 51% en plus 43%. In absolute aantallen zien we nog steeds het hoogste aantal besmettingen in Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De nieuwe ziekenhuisopnames blijven onverstoord in dalende lijn verder evolueren. Met ondertussen al enkele dagen met minder dan 100 opnames per dag. De voorbije week waren er gemiddeld 127 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, wat 9% lager ligt dan de week ervoor. De ziekenhuisopnames dalen daarmee iets minder snel, waardoor we pas in de tweede helft van februari. Onder de 75 ziekenhuisopnames per dag zouden kunnen uitkomen. In Brussel, Vlaams-Brabant en Antwerpen zien we wel nog lichte toenames van het aantal nieuwe opnames. Elke dag mochten gemiddeld 157 mensen het ziekenhuis verlaten. Dat zijn er nog steeds meer dan dat er opgenomen worden. Er liggen nu 2020 covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 378 op intensieve zorgen. En dat is respectievelijk 9% en 19% lager dan de week ervoor. Ook de overlijdens gaan verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 53 overlijdens te betreuren wat 21% lager is dan de week ervoor. De piek van het aantal overlijdens tijdens deze tweede golf is lager dan deze van de eerste golf, maar doordat het aantal overlijdens slechts langzaamaan daalt, is deze tweede golf uiteindelijk toch dodelijker dan de eerste. Verleden week zondag op 10 januari hebben we de trieste kaap van 20.000 COVID-overlijdens overschreden in België. 2020 wordt daarmee een van de dodelijkste jaren sinds de Spaanse griep in 1918. Vervolgens zouden we nog een aantal resultaten willen presenteren in verband met een enquête bij het zorgpersoneel. In de periode van 8 tot 15 december namen 3140 zorg- en hulpverleners en ook mantelzorgers deel aan een enquête genaamd Power to Care, georganiseerd door Cienzano en de KU Leuven. Deze enquête toetste naar het welzijn en de nood aan ondersteuning van zorgverleners. Een groep van mensen die door deze covid-crisis onder zware en aanhoudende druk is komen te staan. Het is duidelijk dat de covid-crisis zijn tol eist op verschillende vlakken voor deze zorg- en hulpverleners. Zo hebben ze meer dan vroeger last van symptomen die te maken hebben met druk en chronische stress. En dit geldt voor zorgverleners uit verschillende sectoren, gaande van de ziekenhuizen... Maar ook in de woonzorgcentra, de eerste lijn, de welzijnssector enzovoort. En dit geldt ook voor alle regio's in het land. Zorgverleners klagen tweemaal vaker dan normaal over angst, zich ongelukkig of neerslachtig voelen en het zichzelf niet herkennen in emotionele reacties. We zien vooral symptomen terug die het gevolg zijn van chronische stress. 56% van de zorgverleners geeft aan zich vermoeid te voelen, tegenover 38% in normale tijden. 51% staat verhoogd onder druk, tegenover 34% normaal. 46% kan zichzelf onvoldoende ontspannen, tegenover 27% normaal. 40% klaagt van slaaptekort, tegenover 25% normaal. 26% heeft concentratiestoornissen, tegenover 15% normaal. 38% is hyperalert en verhoogd waakzaam, tegenover 24% normaal. En 27% klaagt van gevoelens van angst, tegenover 12% normaal. Er wordt ook vaak geklaagd over lichamelijke klachten die vaak verband houden met chronische stress. Zo klaagt 38% van de zorgverleners van spier- en gewrichtspijn tegenover 21% normaal en 30% klaagt van hoofdpijn tegenover 12% normaal. Ook maagproblemen worden vaker gemeld, 21% tegenover 11% normaal. Ook op professioneel vlak laat de crisis zijn sporen na bij de zorgverleners. Zo overwoog in december 22% van de zorgverleners te stoppen met het uitoefenen van hun beroep, waar dat normaal slechts 10% bedraagt. 25% voelt zich meer geïsoleerd op het werk, tegenover 13% normaal. 16% voelt zich vaker onzeker in zijn of haar team. Tegenover 7% normaal en 58% voelt zich minder deel van een team. En dat is vergelijkbaar met andere tijden. De ernst van de psychische en lichamelijke reacties is mede afhankelijk van de mate van ondersteuning die zorg- en hulpverleners krijgen. Slechts 27% van de zorgverleners deelde zijn gedachten en emoties met zijn leidinggevende. En 15% met een professionele ondersteuning. De nood aan ondersteuning in de toekomst is dus groot. Meer dan de helft van de zorgverleners geeft aan nood te hebben aan steun van zijn leidinggevende. En bijna 40% geeft aan nood te hebben aan een professionele ondersteuning. We onderstrepen daarom het belang van een aangepast en toegankelijk aanbod van ondersteuning. Euh, pour zorgverleners et leading-givendes. Merci you pour votre attention. Morning, Bonjour à tous. Alors, ça fait maintenant quatre jours que nous assistons à une hausse du taux de contamination alors qu'au niveau des hospitalisations et des décès, les chiffres continuent à diminuer. Il y a plusieurs explications à l'augmentation du nombre de contaminations. La première d'entre elles, c'est que nous pratiquons à nouveau beaucoup plus de tests que durant la période des fêtes. On est repassé d'à peu près 25 000 tests à un bon 40 000 tests par jour. La deuxième est qu'on teste énormément de gens qui sont de retour, de voyage, de zone rouge. Et la troisième est que dans la semaine de référence, et maintenant inclut le 1er janvier, qui est un jour férié, or on sait que lors des jours fériés, on teste moins. Nous comparons donc une semaine normale, qui est la semaine actuelle, avec une semaine qui contient un jour férié, et ceci fausse donc partiellement les données. Ceci étant, la situation reste fragile, hésitante. Il pourrait y avoir une recrudescence dans les semaines qui viennent, même si l'évolution inverse, vers une reprise de la diminution, ne peut pas être exclue non plus. Dans le contexte actuel, la deuxième vague aura finalement fait plus de morts et aurait un impact plus important que la première vague, et on va revoir tout ceci ensemble par la suite. Alors, au niveau des nouveaux cas nous avons eu en moyenne 2020 nouveaux cas par jour par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Ceci correspond donc à 27% de plus et ceci augmente puisque hier nous avions 14% en plus. Il faut cependant toujours noter que le nombre de nouveaux cas actuels est encore plus bas que celui que nous avions avant les vacances de Noël. Cette augmentation se passe dans globalement toutes les tranches d'âge, et plus prononcée chez les enfants de 10 ans, chez les jeunes adultes, et ce qui est un peu plus inquiétant, puisqu'ils sont probablement moins partis en vacances chez les personnes de plus de 90 ans. Le plus grand nombre, en nombre absolu de contamination est constaté dans la population jeune et active de la vingtaine et de la trentaine. Peut-être une des populations qui a le plus voyagé. Ceci est constaté dans toutes les provinces, comme on le voit sur la carte qui va arriver, depuis une petite augmentation de 2% au niveau de la province du Luxembourg jusqu'à une augmentation majeure de 94% à Bruxelles. Pour la région de Bruxelles-Capitale, ceci constitue pratiquement un doublement des chiffres sur une base hebdomadaire à Bruxelles justement le plus grand nombre de cas se trouve chez ces jeunes adultes de la vingtaine de la trentaine jusqu'à 40 ans et est principalement rapporté dans les communes d'Ixelles, d'Eterbeek et de Bruxelles-ville, des communes où habite entre autres une population internationale qui voyage sans doute plus et qui pourrait être à la base par les voyages d'augmentation locale du nombre de cas. C'est ce qui se reflète aussi probablement dans l'augmentation au niveau des provinces, où c'est la province du Brabant wallon et du Brabant flamand qui montre le plus d'augmentation, avec 51% pour le Brabant wallon et 43% pour le Brabant flamand. Là aussi, habitent pas mal de gens qui ont une propension à voyager et sont en contact internationaux. En nombre absolu, du nombre de nouveaux cas, c'est cependant toujours dans la province d'Anvers et dans les deux Flandres que on les dénombre. Si on s'intéresse aux hospitalisations, cette fois-ci, elles continuent lentement, mais elles continuent à diminuer, et on a eu moins de 100 admissions par jour déjà à plusieurs reprises. En moyenne, la semaine dernière, nous avons eu 127 nouvelles admissions par jour, ce qui est 9% moins que la semaine précédente. Ceci diminue plus lentement que ce que nous avions il y a quelques jours, ce qui nous amène à prévoir, si ceci continue au rythme actuel, le fait d'atteindre les 75 admissions par jour seulement dans la deuxième partie du mois de février. Trois provinces ont eu une petite augmentation dans le nombre d'admissions. Ce sont la région Post-Capitale, le Brabant flamand et la province d'Anvers. Actuellement, il y a encore plus de personnes, je dirais heureusement, qui sortent de l'hôpital que celles qui l'entrent à l'hôpital, puisque nous avons en moyenne 157 personnes qui sortent chaque jour de l'hôpital. Et ceci nous amène à voir, un nombre absolu qui tourne autour des 2000 patients hospitalisés. Nous avons été un peu moins il y a quelques temps. Nous sommes à 2020 actuellement. Et 378 d'entre eux sont aux soins intensifs. C'est donc, respectivement, pour le total, 9 de moins. Et pour les soins intensifs, 19 de moins que la semaine de comparaison. Si on s'intéresse au nombre de décès, là aussi, les chiffres tentent à continuer à diminuer. La diminution est de 21% sur une base hebdomadaire, avec malheureusement encore 53 décès en moyenne à déplorer par jour. Si sur le plan global national, et très particulièrement d'ailleurs sur le plan de la région flamande, le pic des décès n'a pas été aussi important que lors de la première vague, ce ne fut pas le cas pour la région Wallonne, où nous avons eu un pic du même ordre de grandeur. Globalement parlant, en tout cas, actuellement, si on compare le nombre de décès de la deuxième vague à la première vague, on constate qu'il y a eu 52 des décès lors de la deuxième vague et 48 des décès lors de la première vague. Ce qui nous a fait passer ce week-end, dimanche en l'occurrence, le triste cap des 20 000 décès au total pour cette pandémie Covid. Ce qui fait que 2020 sera marqué par la mortalité la plus importante que la Belgique ait connue depuis la période de la grippe espagnole et de la fin de la guerre, soit 1918. Alors, le thème de la journée est une enquête faite par Cienciano et la KUL à Leuven qui s'appelle Power to Care et qui a, fin décembre, interrogé l'état de santé, tant physique que mental, du personnel soignant, au sens très très large du terme, qu'il s'agisse des soignants, des aides-soignants ou des proches des soignants. Cette enquête s'intéressait donc à, aux deux versants, tant la sensation physique que le côté psychologique des personnes en question, et nous savons tous que ce personnel a dû affronter en première instance des moments particulièrement durs à deux reprises déjà lors des deux vagues. Il est donc tout à fait attendu que ceci ait un impact néfaste, négatif sur leur santé, tant physique que mentale, et c'est ce qui se retrouve dans les données qu'on va vous exposer. Ceci est valable dans toute les structures, aussi bien en première ligne qu'au niveau des hôpitaux, des maisons de repos, et ceci est valable de la même manière dans les différentes régions du pays. Globalement, on peut dire que les soignants se plaignent actuellement deux fois plus qu'en temps normal de problèmes d'angoisse, de dépression, de mal-être, et qu'ils ne se reconnaissent pas toujours dans leurs réactions émotionnelles au jour le jour. Si on s'intéresse au plan personnel, les symptômes suivants sont apparus plus souvent qu'en temps normal. 56% de ces personnes interrogées se déclarent fatiguées contre 38% en temps normal. 51% se trouvent mises sous pression plus intense alors que c'est 34% en temps normal. 46% disent ne plus pouvoir se détendre suffisamment. Alors qu'il s'agit de 27% en temps normal, 40% ont des problèmes de sommeil contre la moitié, à peu près 25% en temps normal. Il en est de même pour les problèmes de concentration, présents chez 26% actuellement contre 15% en temps normal. Des sensations aussi d'hypervigilance, de stress, 38% contre 24%, et des sentiments d'angoisse extrêmement fréquents chez 27% d'entre eux. Contre 12% en temps normal. Sur le ressenti physique des personnes en question, compatible avec des situations de stress chronique, on retrouve les mêmes genres de données. Par exemple, 38% ressentent des douleurs musculaires ou articulaires contre la moitié à peu près, 21% en temps normal. 30% ont des maux de tête alors qu'il ne s'agit que de 12% en temps normal. Et 21% ont des douleurs épigastriques au niveau donc, de, de l'estomac, contre 11% en temps normal. Sur le plan de la manière dont ces personnes, du personnel soignant ou aide-soignant, ressentent la manière dont ils vivent la, leur, leur vie professionnelle, il y a également un impact extrêmement clair. En décembre, 22% envisageaient d'arrêter leurs activités, contre la moitié, 10%. Dans les études faites en temps normal, 25% se sentaient isolés au travail contre 13% en temps normal et 16% se sentaient plus souvent incertains, flottants au sein de leur équipe contre 7% en temps normal. Il est clair que la gravité de ces réactions, tant physiques que psychiques, dépend aussi de la mesure dans laquelle on se sent soutenu, on se soutenu par l'entourage, par son chef par exemple, aussi bien que par des structures plus euh, dirigées vers ce type de problèmes comme des structures d'aide psychologique. Et on note que seulement 27 soignants de ces soignants et aides-soignants ont partagé leurs problèmes et leurs pensées avec leur chef d'équipe et que seulement 15% ont eu l'occasion d'avoir l'aide d'un professionnel des soins psychologiques. Il est donc clair que le besoin de soutien dans le futur est important. On l'avait déjà noté en période aiguë durant la crise, mais ceci ne va pas s'estomper tout seul. Plus de la moitié des soignants et des aides-soignants a indiqué avoir certainement ou probablement besoin d'un soutien plus marqué de son chef d'équipe et presque 40 du soutien d'un professionnel. Le personnel soignant pardon, souffre donc toujours des deux vagues, et en l'occurrence ici, de la deuxième vague, puisque cette étude a été faite à la fin de la deuxième vague, et encaisse encore de sévères problèmes tant physiques que psychologiques, il est donc important que soit mis en place, au niveau des différentes structures, toutes les aides appropriées et facilement accessibles. merci pour votre attention. Fou de Vorige week vrijdag heeft het Overlegcomité beslist om de huidige maatregelen te behouden. Hiervoor zal nog een ministerieel besluit worden gepubliceerd. Vandaag geven we wat meer duidelijkheid bij een beslissing die is genomen door het Overlegcomité op 30 december 2020. Er werd toen beslist om vanaf 4 januari een onderscheid te maken tussen professionele en niet-professionele buitenlandse reizen. Dit betekent concreet. Dat bij de beoordeling van het PLF-formulier rekening wordt gehouden met professionele verplaatsingen. Werkgevers die een professionele buitenlandse reis van een werknemer willen melden, kunnen hiervoor het formulier Business Travel Abroad kortweg BTA formulier invullen. Dit formulier kan je vinden op de website bta.belgium.be. Ook op de website info coronavirus.be staat er een link. Voor dergelijke professionele reizen, van zowel inwoners als niet-inwoners van België, geldt een aangepaste evaluatie van het PLF-formulier, op basis waarvan al dan niet beslist wordt tot een verplichte quarantaine. Alle andere verplichtingen blijven echter wel van kracht. Het gaat dan onder andere over het verplicht laten afnemen van een test. Hoe verloopt deze procedure nu concreet? Eerst en vooral moet het BTA-formulier voor vertrek van de betrokken medewerker online ingevuld worden door de werkgever. Het ingevulde formulier geeft een nummer die in het PLF moet ingevuld worden. Zonder dit nummer kan een reis niet als een professionele reis worden beschouwd. Het PLF-formulier wordt vervolgens door de werknemer ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een zelf-evaluatie vragenlijst voorzien. Op basis daarvan wordt beslist of er al dan niet een quarantaine opgelegd moet worden. Bij de opstart van dit systeem werd verkeerdelijk gebruik vastgesteld. Daarom geven we graag nog de volgende verduidelijkingen mee. Voor reizen naar ons land kan het formulier niet gebruikt worden voor reizen van niet-inwoners van België. Met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land. Zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies. Het formulier geldt wel voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier met een maximum met duurtijd van 72 uur. Voor reizen naar het buitenland van Belgische inwoners moet het gaan om verplaatsingen voor dossiers of projecten die een beperkte interventie vereisen. Hier is de tijdsbeperking van die 72 uur niet van kracht. Het BTA-formulier moet worden ingevuld door de Belgische werkgever of de Belgische opdrachtgever waar of in wiens opdracht deze werknemer tijdelijk wordt te werk gesteld. Indien iemand om een professionele reden reist, maar niet beschikt over een nummer, kan de rubriek professionele reizen in het PLF-formulier niet worden geactiveerd en valt de reis. Als, wordt de reis aanzien als een niet-professionele verplaatsing met de bijhorende quarantaineverplichting? Al deze uitleg en bijkomende duiding kan u ook nalezen op de website btabelgium.be of info-coronavirus.be. Dank u wel. Bonjour. Euh, vendredi dernier, le comité de concertation a décidé de maintenir dans les grandes lignes les mesures actuelles, et un arrêté ministériel sera publié euh, à ce sujet dans les prochaines heures. Aujourd'hui, nous allons faire le focus sur une mesure prise lors du comité de concertation précédent, celui du 30 décembre dernier, et qui concerne les voyages à l'étranger, et un point particulier concernant les voyages pour raisons professionnelles. Depuis le 4 janvier, quand un voyageur complète son formulaire passager, hein, le fameux PLF, avant d'arriver en Belgique, il lui est possible de mentionner la raison de son déplacement. Et la nature de ce déplacement est prise en compte dans l'évaluation des autorités sur les mesures que les personnes devront suivre une fois arrivées sur le sol belge. Pour les voyages professionnels, que ce soit des voyages de Belges ou de personnes résidentes en Belgique à l'étranger ou des voyages d'étrangers qui viennent en Belgique pour raisons professionnelles, le score calculé dans le PLF, sur base duquel il est décidé si une quarantaine est ou non nécessaire, est adapté. Donc, dit autrement, il se peut que pour un voyage professionnel, il ne sera pas nécessaire d'effectuer une quarantaine, pour peu qu'on ait évidemment respecté les autres conditions et qu'on n'ait pas eu de comportement à risque. Par contre, la raison du voyage ne change rien pour toutes les autres obligations et particulièrement les obligations de test. Donc euh, que ce soit un voyage professionnel ou pas, il faudra effectuer les tests de dépistage. Comment cette procédure fonctionne-t-elle en pratique Pour qu'une personne qui voyage puisse démontrer que son déplacement est professionnel, il faudra que son employeur ait complété un formulaire particulier, le Business Travel Abroad, le BTA, qui se trouve en ligne sur le site bta.belgium.be. Et ce formulaire devra avoir été complété évidemment avant le déplacement de l'employé concerné. Une fois que l'employeur a complété le formulaire, cela génère un numéro, un numéro de certificat qui pourra être saisi par l'employé dans son PLF lorsqu'il le complétera avant d'arriver en Belgique. Alors, au lancement du système, on s'est rendu compte que certains employeurs avait une utilisation inadaptée de cette procédure pour les voyages professionnels, donc il est nécessaire d'apporter quelques éclaircissements. D'abord pour les voyages professionnels dans notre pays, c'est-à-dire des personnes qui habitent à l'étranger et qui viennent en Belgique pour raisons professionnelles. Ce système de BTA, c'est uniquement pour des voyages de courte durée, euh, vraiment liés à un petit projet, un dossier concret. Qui dure maximum 72 heures. Donc, n'est pas ici l'idée qu'un employeur complète cela pour une personne qui habite pour le moment à l'étranger, mais qui va venir travailler à long terme en Belgique. Ces personnes doivent suivre les procédures habituelles de quarantaine. Pour les autres types de voyages, c'est-à-dire les voyages de Belges qui vont à l'étranger pour raisons professionnelles, eh bien. Il doit s'agir ici de déplacements incontournables. Donc l'idée n'est pas que ces personnes décident d'aller faire une réunion à l'étranger euh, simplement parce qu'elles le souhaitent. Euh, il y a certainement d'autres moyens d'effectuer cette, cette activité professionnelle. C'est uniquement pour des voyages vraiment essentiels, euh, des voyages professionnels essentiels à l'étranger qu'on peut utiliser le formulaire BTA. Et ici, il n'y a pas de, euh, de spécification de durée. Maximum comme pour les voyages d'étrangers vers la Belgique. Enfin, le formulaire BTA doit être complété par l'employeur belge ou par le donneur d'ordre belge, belge qui invite quelqu'un pour raison professionnelle et la responsabilité de la bonne utilisation de cette euh, procédure eh bien, revient uniquement à cet employeur et non pas à l'employé. Attention, voilà, on a une procédure ici qui permet de spécifier qu'on fait un voyage professionnel. Mais si on ne suit pas cette procédure, euh, il ne sera pas possible dans le PLF d'indiquer qu'on a fait un déplacement professionnel. On n'aura pas ce code qui permet de le, de le dire. Et donc, même si c'est un déplacement professionnel, s'il si n'y a pas le certificat, eh bien, il faudra suivre les règles de quarantaine. Dit autrement, un étranger qui vient ici en Belgique pour raison professionnelle et qui n'a pas euh, complété le formulaire PLF. Euh, convenablement, devra rester en quarantaine dans son hôtel et ne pourra pas euh, faire son activité professionnelle en Belgique. Un Belge qui a été pour raison professionnelle à l'étranger et qui revient et qui n'a pas été euh, complété euh, correctement dans le formulaire PLF, devra suivre une quarantaine et ne pourra retourner au travail à son retour en Belgique. Plus d'informations sur cette procédure particulière sur le site bta.belgium.be ou sur le site infocoronavirus.be. Merci. Et nous allons passer à présent aux questions reçues par la presse. Une vaccination mieux ciblée ne pourrait-elle pas permettre d'accélérer la campagne puisque la Belgique possède le matériel nécessaire, notamment des tests rapides pour détecter les gens qui ont déjà des anticorps. Alors il s'agit d'une bonne question. Il faut savoir que tant la durée que la qualité de l'immunité conférée par une infection n'est actuellement pas encore bien connue. Et ceci tout spécialement chez les personnes à plus haut risque, les patients fragiles, les patients âgés et entre autres ceux qui séjournent fréquemment en maison de repos. Dans ce contexte, l'adjonction sur cette immunité éventuellement préexistante de l'effet du vaccin ne peut que renforcer, multiplier ou faire durer plus longtemps l'immunité éventuellement déjà présente chez personnes les plus fragiles et qui sont celles qui sont les premières actuellement à être vaccinées dans notre pays. Il faut souligner par ailleurs que le taux de personnes qui possèdent une immunité dans le pays est de l'ordre en moyenne de 14 donc il n'est pas extrêmement important. Bien sûr, il peut varier d'un groupe à l'autre et être plus important, par exemple, dans certaines maisons de repos, mais globalement parlant, il ne s'agit pas d'une partie importante de la population qui est déjà porteuse d'anticorps. Et c'est dans ce contexte, d'ailleurs, qu'aucun pays actuellement ne prévoit de campagne de dépistage des séropositifs pour le Covid avant d'entamer la vaccination massive, car ceci complique. ...considerablement de campagne du point de vue operationeel. Kan een beter gerichte vaccinatie het niet mogelijk maken de campagne te versnellen? Aangezien België over het nodige materiaal, met name sneltesten, beschikt om mensen op te sporen die al antilichamen hebben. Wel, dat is een goede vraag. Maar op dit ogenblik wordt daar geen rekening mee gehouden. Voornamelijk omdat er nog heel veel onbekende elementen in dat verhaal zijn. Een van de belangrijkste argumenten is dat we nog altijd niet goed weten wat precies de kwaliteit van de immuniteit is na een natuurlijke infectie. Welke garantie biedt dat dat men op langere termijn ook beschermd is tegen een tweede infectie? We weten dat tweede infecties kunnen plaatsvinden. We denken dat het zeldzaam is, maar het is nog vroeg om daar heel veel zekerheid te kunnen overgeven. Dus daar is nog heel wat ja, onzekerheid over. En in die zin heeft het wel degelijk zin om ook mensen te vaccineren die in het verleden het virus al eens hebben opgelopen of die antistoffen hebben ontwikkeld. In eerste instantie gaat het trouwens ook om heel fragile mensen, oudere mensen, mensen met een verhoogd risicoprofiel. Een vaccinatie kan dan de bestaande immuniteit die die mensen opgebouwd hebben na de natuurlijke infectie alleen maar extra versterken en misschien nog duurzamer maken. En op dit moment is er ook geen enkel land dat dit beslist heeft om op basis van de antistoffenstatus uh, mensen niet te vaccineren en het vaccin te reserveren voor mensen die nog geen antistoffen hebben. We mogen ook niet vergeten dat het percentage mensen met antistoffen nog altijd een minderheid van de bevolking betreft, ergens tussen de 10 à 20 procent. Dat hangt wat af van regio uh, tot regio, van streek tot streek. Het kan ook hoger zijn in sommige woonzorgcentra die bijvoorbeeld een, een grote uitbraak hebben gehad. Maar we denken dat het toch nog altijd zin heeft om ook die mensen te vaccineren. Het kan alleen maar de bestaande immuniteit versterken en duurzamer maken. Waarom vormen de terugkerende vakantiegangers zo'n probleem, terwijl de positiviteitsgraad bij de reizigers toch lager ligt dan die bij de screening van niet-covid-patiënten in het ziekenhuis? Wel, het, het percentage reizigers dat positief test, gemiddeld genomen, ligt nog steeds hoger dan uh, het percentage positieve testen die men vaststelt bij screening van uh, bijvoorbeeld niet-covid-patiënten in het ziekenhuis. Dat kan je beschouwen als een soort van uh, willekeurige screening bij mensen zonder covid-symptomen. Dus bij die niet-covid-patiënten in het ziekenhuis bedraagt dat 2,9%. Terwijl dat bij reizigers 3,8% bedraagt. Maar een uh, heel belangrijke nuance, bij die reizigers, hangt het heel sterk af van het land van herkomst. Uit sommige landen was dat maar 2 procent. Uit andere landen was dat 10 tot 12,5 procent. En dat is vele malen hoger dan wat je normaal zou verwachten bij een willekeurige screening. Het heeft vaak te maken met uh, de situatie in het land van herkomst, maar vooral ook de activiteit die men daar is gaan doen. Als men op familiebezoek geweest is, is dat risico op besmetting vele malen hoger. Ter vergelijking, bij iemand met symptomen in België bedraagt het percentage positieve testen 12,6% en bij de hoogrisicocontacten bedraagt dat percentage 12,9%. Een ook belangrijke nuance is dat het gaat zelfs niet zozeer om het aantal positieve reizigers of het percentage positieve testen. Een van de grootste risico's op dit moment is vooral dat reizigers nieuwe, ongekende varianten binnenbrengen. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan die Engelse variant, waarvan we sterk vermoeden dat die een pak besmettelijker is dan het klassieke coronavirus. We willen dat vooral buiten houden. En de, een, de manier waarop het binnen kan komen, is natuurlijk via reisverkeer. Dus dan, het, dan kan één succesvolle introductie kan het begin zijn van een hele grote uitbraak. Dus we willen elke introductie vermijden, Zoveel mogelijk nieuwe import van dat soort virussen uitstellen, zodanig dat we ook niet in een soort van derde golf terechtkomen met een ongekende nieuwe variant. Die Engelse variant of Zuid-Afrikaanse variant die zijn trouwens niet enkel beperkt tot Zuid-Afrika of Engeland, die worden ook vastgesteld in heel wat andere landen, ook in onze buurlanden. Pourquoi les retours de vacances sont-ils problématiques alors que le taux de positivité du 4 janvier des voyageurs est inférieur à celui du screening des patients non-Covid dans les hôpitaux Alors, sur ce point, je pense qu'il faut un peu repositionner les différents pourcentages que nous avons actuellement. Le pourcentage du screening fait au niveau des hôpitaux, donc ce sont les gens qui rentrent à l'hôpital pour d'autres raisons que le Covid et que l'on teste de manière à voir s'ils sont ou pas porteurs du virus, donne actuellement une positivité de 2,9%. Le taux de positivité des voyageurs, globalement, dans son entièreté, nous montre une positivité de 3,8%, donc un peu supérieur déjà, pratiquement d'ailleurs de 50%. Ce taux est extrêmement variable et va de 2% pour certains pays jusqu'à 10 ou 12,5% pour d'autres pays. Ce taux est variable non seulement en fonction du pays, mais surtout en fonction de ce que l'on va faire dans le pays, si on va simplement en vacances ou si on va par exemple retrouver de la famille pendant quelques semaines, ce qui accentue bien clairement le risque. À titre d'information, actuellement, le taux de positivité chez les patients symptomatiques est de 12,6% et chez les contacts à haut risque du même niveau, c'est-à-dire de 12,9%. Ceci étant en dehors de la quantité absolue du nombre de cas qui peuvent ainsi être importés, il y a un autre facteur décisif qui euh, met en lumière la raison pour laquelle il est important de faire ce screening c'est le risque d'importer des souches que nous ne connaissons pas encore dans notre pays. Ces souches, on en a parlé pour certaines d'entre elles, comme celles liées à la Grande-Bretagne ou l'autre liée à l'Afrique du Sud. Tout récemment, maintenant, on parle d'une souche brésilienne. Ce sont des souches que l'on souhaite voir le plus tard possible. Si possible, pas du tout, bien sûr, mais probablement seront-elles là, mais le plus tard possible, en tout cas en quantité, sur notre territoire. Et la seule manière de retarder ceci est effectivement de faire ce type de screening pour éviter l'entrée. Et pour diminuer une, le risque d'avoir une situation semblable à celle qu'on a connue en février-mars 2020, avec des introductions multiples après des vacances et un flambage de la situation en quelques semaines de temps. Ceci donc nous donne la raison majeure, en plus de celle de l'introduction de cas pour lequel il est important de faire ce type de screening. Combien de cas de nouveaux variants plus contagieux du virus sont-ils confirmés en Belgique Ce nombre pourrait-il être sous-estimé en raison de la difficulté de les détecter Faut-il prendre des mesures plus fortes comme l'isolation ou la fermeture des frontières Alors, cette question est tout à fait dans le prolongement de la question précédente, bien sûr. Actuellement, on dénombre 6 cas de variants dits anglais 4 cas. Ont été diagnostiqués début décembre. Relation avec la Hollande, pas de lien immédiat avec l'Angleterre. Et deux cas récemment ont été diagnostiqués chez des personnes de retour de Grande-Bretagne. Ça nous fait donc six cas. Tout récemment viennent d'être diagnostiqués deux cas du variant sud-africain sur notre territoire. Alors oui, il est fort probable, et même pratiquement certain, qu'on sous-estime le nombre de cas et pour quelles raisons. La première d'entre elles, c'est que l'on ne teste pas tout le monde. Il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas testés, soit parce qu'ils déclarent la maladie ici, soit parce qu'ils reviennent de l'étranger et ne se font pas tester. Et donc, il y a des cas qui nous échappent et ça pourrait être des cas de ces variants en question. Autre raison, c'est que lorsque l'on a un cas positif, une PCR positive, on ne fait pas systématiquement l'arbre phylogénétique sur tous ces virus, et donc on les teste pour une petite partie d'entre eux, et donc il est fort possible que certains d'entre eux ne soient pas ainsi identifiés. La manière la plus adéquate actuellement pour éviter la propagation du virus dans l'absolu, eh bien, elle est pour le variant la même que celle qu'elle est pour le virus que nous connaissons maintenant depuis presque une année. Elle est celle d'une part de respecter à l'entrée dans le pays les règles qui ont été majorées à la fin du mois de décembre et qui demandent un testing systématique au J1 et qui demandent une quarantaine et qui demandent un deuxième test à J7. C'est en faisant ce type de mesures que l'on évitera au maximum non seulement l'introduction, mais surtout la propagation de nouveaux variants au sein du territoire. Et enfin, au niveau de la population générale, il est important de continuer à se préserver de la contamination en attendant l'impact des vaccins. Il est important de continuer à respecter les fameuses règles d'or pour que, si un variant est introduit, on retarde au maximum sa propagation. Hoeveel gevallen van nieuwe, meer besmettelijke varianten van het virus zijn in België bevestigd? Kan dit aantal worden onderschat vanwege de moeilijkheid om het te detecteren? Moeten er strengere maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld isolatie of het sluiten van de grenzen? Wel, betreft het aantal. Uh Vreemde varianten die werden vastgesteld op het Belgisch grondgebied. Wat betreft de Britse variant zitten we nog steeds aan zes. En daar zitten er vier oude tussen van de maand november. Twee nieuwe werden vastgesteld. Ik ben van overtuigd dat de komende dagen er waarschijnlijk wel nieuwe gaan worden gerapporteerd. Ondertussen zijn er ook twee Zuid-Afrikaanse varianten gedetecteerd in België. Het blijven dus voorlopig nog wel zeldzame vaststellingen en we hopen dat we dat zo kunnen houden. Maar het is ongetwijfeld een onderschatting. De reden daarvoor is dat bijvoorbeeld die Britse variant was al aanwezig in november op het Belgisch grondgebied. We weten dat we niet iedereen testen. Niet iedereen heeft symptomen, niet iedereen heeft klachten en laat zich testen. Dat zijn gevallen ja, die we niet kennen. Ook bij de mensen die zich beter wel zouden laten testen gebeurt het niet altijd. En dat is zowel bij mensen die hier in België verblijven als ook bij terugkerende reizigers. De uh, percentages doen de ronde van 40 procent van reizigers die zich niet hebben laten testen en dat beter wel hadden gedaan. Dus sowieso is dat een onderschatting. Uh, op dit moment uh, worden er geen strengere maatregelen voorzien, bijvoorbeeld voor terugkerende reizigers. Uh, de huidige maatregelen blijven van kracht. Dat wil zeggen dat iedereen die terugkeert uit een rode zone naar langer dan 48 uur verbleven heeft, moet zich bij aankomst laten testen. En moet zeven dagen in quarantaine gaan en op de zevende dag een tweede test ondergaan. Enkel als die tweede test negatief is, mag men de quarantaine verlaten. Er wordt weliswaar gewerkt aan een betere opvolging van het testen en een betere opvolging ook van de handhaving van de quarantaine. Het is ook belangrijk om te vermelden dat een test op zich het virus nooit gaat tegenhouden. Het is wel het gevolg dat men aan de test geeft dat belangrijk is: de isolatie en de quarantaine en de contactopsporing. Dat is cruciaal om het virus in te dijken. Voor de rest is het heel belangrijk en de regering heeft daar ook het sterk signaal gegeven dat het afgeraden blijft om ook in de komende weken op reis te gaan, ook in het komende crocusverlof, waar dezelfde regels zullen van kracht zijn. En wat betreft ja, het risico dat zo'n nieuwe variant ook voet aan grond krijgt in België, en uitbraken gaat veroorzaken, wel dat risico is er. Het is belangrijk dat we dat zoveel mogelijk proberen te vermijden en uit te stellen. En een van de belangrijkste preventiemaatregelen is ook gewoon dat we ons met z'n allen heel strak aan de gouden basisregels houden rond het beperken van onze contacten, afstand houden, masker dragen, zoveel mogelijk thuiswerken. Want dan krijgt het virus, of het nu om een nieuwe variant gaat of om het oude coronavirus, gewoon geen kans. Om grote uitbraken te veroorzaken. Het is nog altijd ons gedrag dat de curve bepaalt, dat de mogelijkheden biedt aan het virus en in mindere mate de eigenschappen van het virus zelf, nieuwe varianten die wat besmettelijker zijn of niet besmettelijker zijn. Het is het gedrag van mensen dat in de eerste plaats de verspreiding van het virus zal bepalen. Oké, okay. dat waren de vragen voor vandaag. Dan sluiten we hier af en hebben we de volgende afspraak op deze persconferentie op vrijdag om 11 uur. Donc le prochain conference de presse aura lieu le vendredi. Merci.